Hey, salut à tous, c'est Drizzer, j'espère que vous allez tous très très bien les amis. Écoutez, pour voir, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau commentaire concocté par moi-même pour l'obscur. Et aujourd'hui les gars, on va parler du Dark Matter avec différents coloris qui sont ma foi fortement sympathiques. Avant d'entamer le sujet, laissez-moi vous présenter le gameplay qui est une nucléaire sur du Call of Duty Black Ops 2, donc du retour aux sources qui je pense peut que vous faire plaisir. Avec la Scorpion sur Raid, le tout réalisé par Senzo, du coup le petit like qui fait plaisir et le petit commentaire pour le féliciter pour ce gameplay qui envoie vraiment du lourd. Et c'est parti pour entamer le sujet. Aujourd'hui les gars, j'ai un screen concernant le Dark Matter. Il se trouve que plusieurs couleurs de ce dernier seraient vraiment intéressantes dans Black Ops 3. Alors il faut savoir que jusqu'aujourd'hui le Dark Matter de Black Ops 3 est de couleur violet, jusqu'à là on est d'accord que je vous apprends absolument rien. Mais le screen que je vous affiche sur votre écran maintenant, on nous montre trois nouveaux styles de Dark Matter qui sont le rouge, le vert et le rose. Moi personnellement je suis pour ce style d'ajout sur Black Ops 3 puisque je suis vraiment fan du Dark Matter. Après tout dépend de comment on débloquera ces camouflages, parce que si c'est pour nous les faire débloquer dans le marché noir, bah ça serait un peu enfoiré de la part d'Activision. Je pense sincèrement que les débloquer avec de nouveaux défis serait l'idéal. Au passage, ces camouflages sont déjà plus ou moins apparus sur Black Ops 3 et j'en vois plein me dire mais qu'est-ce que tu nous racontes Drizzer? Eh bien non les gars, je ne sais pas si vous avez déjà joué sur la carte des Ryzen Drach du mode zombie. Bien évidemment, si vous n'y avez pas joué sur cette carte, vous n'allez pas comprendre où je veux en venir. Lorsqu'on améliore une arme dans le pack à punch dans ce dernier, on obtient une variante de Dark Matter, mais avec un coloris différent. Certes, ce n'est pas le Dark Matter à 100%, mais on n'y est pas si loin. De toute façon, j'afficherai un screen pour les personnes qui ne connaissent pas le camouflage. Après, si le screen est fake ou pas, ce n'est pas le plus important. C'est bien évidemment l'idée qui est mise en avant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup, parce que ces camouflages sont vraiment, vraiment très beaux. Et puis voilà, cette courte vidéo va prendre fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement et l'activation des notifications, comme ça vous serez au courant dès qu'on sort une nouvelle vidéo. La chaîne du player ainsi que la mienne seront en description, allez-y faire un tour, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, ciao ciao, peace out les gens, c'était Drizzer.